Salutations, mes chatons. C'est Chicouette, le volet café. Voilà. Alors, oui, je suis de retour parmi vous. Du coup, je reviens de vacances depuis hier. Hier, on était le 30. Là, on est le 31 juillet 2023. Pourquoi l'année? Je ne sais pas. J'ai un truc avec l'année, moi, je pense. Donc j'ai pas passé forcément de bonnes vacances, notamment bon après je me suis pas levée à 3h30 non plus, hein, à l'heure habituelle que je me lève quand je travaille. Donc bon voilà déjà, hein, voilà, j'ai pu récupérer mon sommeil de toute façon, hein, j'en avais bien besoin. Ouais non, on n'est pas sorti, et la seule sortie qui était prévue le jour de mon anniversaire, du coup le samedi, ben, il a plu, ça s'est arrêté l'après-midi, donc bon voilà, hein. On s'est arrêté à l'entrée du zoo. On devait aller au zoo de Douai, la fontaine. Bah, il a plu. Et donc voilà. Donc on sait très bien que les animaux, enfin en tout cas certains animaux, ne seraient pas sortis à cause de la flotte. Enfin, voilà. Donc ça ferait un petit peu gâcher. Ça a un peu gâché la sortie, machin. Enfin bref. Et du coup, le soir même, il y avait un concert festival. Alors ça s'appelle Les Vagabondes. C'est gratuit en plus le concert. Ils ont fait 8 concerts. Et c'était là, c'était avec Christophe Willem. Et bah, hein, voilà. Je vous le mettrai dans un prochain vlog ce que j'ai pris en musique. Alors, on était loin, hein, donc spécialement, quand vous allez voir, excusez-moi de la qualité. Forcément, on voit pas entre guillemets Christophe, mais voilà. Bah oui, hein, parce qu'il y avait, alors il y avait une zone délimitée avec des grilles et tout ça. Puis il y avait derrière, enfin il y avait aussi, hein, nous on était derrière ça. Enfin il y avait du monde avant nous et puis du coup on était derrière. Et je sais plus ce que je voulais dire, parce que du coup c'est plus comme avant. Avant, voilà, là maintenant c'est fouillage, enfin tu te mets comme ça. Il regarde le fouillage, d'abord le fouillage, pardon, donc c'est plus les sacs à main et tout ça. Du coup, après, t'as un deuxième passage où là, il passe la truc là, pour voir si t'as pas des choses dangereuses. Voilà. Et non, et après, ben, le concert était top, de chez top, quoi. Il envoie de la patate, la lumière était top, le son était top. Et franchement, il n'y a plus de débordement parce que bon, hein, voilà. Même si c'est la campagne, j'ai envie de dire. C'était aux Trois-Moutiers, pardon. Donc, dans la Vienne, dans le 86. Donc, en une heure de temps, tu fais 37-86. Bon, il y en a beaucoup comme ça. Hein. Là, je cite ça, mais il y en a beaucoup, beaucoup comme ça. Bref, ça me fait penser à plusieurs choses, mais bon. Donc voilà. On va dire que. Voilà. Bon, en plus, l'ambiance n'était pas forcément beau fixe parce que ma grand-mère récidive de cancer. Donc là, aujourd'hui, on a eu des résultats. C'est pour ça que j'ai pas commencé la vidéo avant. Je parle tout doucement, hein, je suis désolée, je suis capoute. Je suis capoute dans le sens. Et sens que j'ai eu une migraine et que là j'en sors, et je pense que tout le monde sait que quand tu sors d'une migraine, hein, qu'une migraine c'est mal de tête, hein. Voilà quoi. Voilà, voilà, voilà. Donc bon. Voilà. Donc je suis. Non mais on dirait que je suis faim. Tout à l'heure on dirait que j'étais shootée, je pensais que j'allais vomir, mais même pas. Voilà. Enfin, je raconte tout.
En, pardon, du coup, j'ai eu 29 ans. Hein, voilà. J'ai eu 29 ans le samedi, d'ailleurs. Donc, d'ailleurs, je vous remercie beaucoup tous et toutes de m'avoir souhaité hein, mon anniversaire, que ce soit en privé, enfin, et tout le tralala. J'aime toujours beaucoup. Ouais. Donc, bon, on est là quand même pour la dégustation box. Je suis obligée de commencer par elle parce que c'est la box manger et il y a des trucs froids dedans quand même. Hein? Donc voilà. Donc je l'ai reçue. Bah, j'étais déjà en vacances. C'est mon frère qui l'a réceptionnée. Voilà. Oh là, c'est lourd. Donc bien évidemment qu'il m'a fait son propre unboxing. Hein? En visio qui était pas terrible parce que je parle pas ça, c'est parce que à la campagne ça passe très 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 peu là-bas et voilà quoi. Donc je sais ce qu'il y a dedans quoi. Donc là j'ai quoi déjà? J'ai une. Ah oui, parce que c'est la dernière Dégustabox de l'année, la froide là, Dégustabox Cold. Donc je pense que c'est celle d'octobre. Mais pourquoi faut la commander maintenant? Attends, c'est ça que je comprends pas. Faudrait que je regarde sur le site parce que voilà. En tout cas, voilà. Alors, j'ai pas eu de truc de réduction parce que j'en sais rien du tout. J'ai eu des prospectus quand même, mais j'ai pas eu de code de réduction. Donc voici. Hop là, chute. Donc là, le thème, c'est quoi? Tour de France. Bah oui, forcément. Donc c'est la boxe de juillet, hein, spécialement. Voilà. Je dirais, il y a un produit du mois, il n'y a pas de produit. Voilà. Donc, il y a marqué quoi? Ah oui, invités internationaux. Ah, c'est parce que, d'accord, tous les produits que je vais vous présenter, voilà, c'est enfin, des produits normaux, bref, normal, normaux. Et après, il y a deux produits, c'est des invités internationaux. Ok, d'accord. Ah oui, quelqu'un d'Espagne et. Quelqu'un d'Espagne, pas en France. Un produit d'Espagne et l'autre. Ben, je ne sais pas. Ah! Mexique! Qui vient de Mexique? Parce que c'est un produit Mexique. Ok! On va commencer, je suis déjà. Parce qu'à 8 minutes, je suis désolée, du coup, il fallait bien que je. Voilà. Que je donne des petites nouvelles comme ça. On est bientôt à 100 000 vues sur la chaîne. Eh putain, quand je vois ça, je fais waouh, je suis partie de loin. Notamment, vous savez très bien que j'ai pas commencé par les unboxings. J'ai fait les chansons, hein. D'ailleurs, je vous réserve des petites surprises. Voilà. Et pour les 100 000 vues déjà. Et aussi pour les 10 ans de ma chaîne. Hein. Donc voilà. Et voilà. Je suis multifonction. Non, je rigole. Donc voilà. Donc j'ai dit que c'était le Tour de France. On va commencer parce que sinon. Alors là, la première marque du coup que je prends. Et du coup, c'est la marque Lustucru. Il y a deux paquets. Je crois que c'est pas les mêmes trucs. Bon, on sait ce que c'est du coup Lustucru. Voilà. Mais je crois que c'est pas les mêmes trucs. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans. Il y a marqué coquillettes aux œufs frais. Donc les coquillettes aux œufs frais, je les ai. Je sais pas ce qu'ils ont fait sur la tête des poules. Donc voici hein, les coquillettes aux œufs frais. 1,09 €. Le paquet de 250 grammes, 250 et l'autre c'est 250, hein, je peux pas. Voilà. Alors, de toute façon, on va bien voir. Hein. Bon, c'est pas grave. Ah, parce qu'il y a des petits. Ah, je viens de comprendre. Il y a des petites coquillettes et il y a des grandes coquillettes. Ok, d'accord. Donc là, je vous ai montré les petites coquillettes. Hein. Alors, je vais lire. Excusez-moi, j'ai pris le temps, mais j'ai bugué là. Alors. Plutôt grande coquillette aux coquillettes classiques. Ok. Variez les gourmandises avec l'Ustucru en gratin, en salade ou en sauce. Régalez-vous en famille savoureuse et fondante avec trois
3 œufs frais au kilo, les pâtes aux bons œufs frais et au blé 100% français réveilleront vos papilles. Deux paquets de 250 grammes par box. Les grandes coquillettes aux œufs frais sont plus grandes avec plus de mâche, idéales pour prendre la sauce. Les coquillettes en grand classique sont idéales pour toute la famille pour se régaler au quotidien. Disponibles en grande et moyenne surface. Donc ça c'est les petits, hein. Voilà. Et ça, du coup, c'est les pâtes aux œufs frais, grandes coquillettes. Packaging un peu plus grand. Faut pas chercher. C'est à peu près la même chose de toute façon. Voilà. Alors, ensuite, la marque Jacquet. Du coup, c'est des mini hamburgers. Putain, mais par contre, ils ont que ça dans leur truc. Ça fait. Moi, je trouve. Vous me dites. Et ça fait pas 2-3 fois qu'on reçoit des mini hamburgers. Pardon. Des mini burgers nature sans. Sans additif. Pardon, j'ai le hoquet. Sans additif, Jacquet. De 0,05. Il n'y a pas de lumière, mais. Ah, j'ai pas pensé à ouvrir ça. Hein. Je reviens. Non! Oh putain, au moment où je reprends la vidéo, ça fait tomber là. Ok. C'est pas droit, on est reparti. Alors, découvrez les mini burgers Jacquet nature sans additifs et Nutri-Score A, parfait pour les apéritifs en version froid, pardon, ou chaud, végétarien ou non, ces mini burgers deviendront les incontournables de vos apéritifs et de vos pique-niques cet été. Les mini burgers Jacquet sont fabriqués au sein des sites de fabrication de Bourgogne et d'Auvergne à partir de farine de blé française, principalement cultivée en Auvergne. J'ai bugué. Disponible en grande et moyenne surface. Voilà. Ouais, je sais, j'ai fait bugger le truc. Là, alors là, j'ai été mais surprise de la grandeur, je pensais pas que. Oui, il y a du verre. Prochaine marque, c'est la marque Loïc Raison. Et c'est du cidre. Et houblon. Voilà, je suis obligée de reculer pour ouvrir mon bret. Donc, voilà. Vous voyez la grande bouteille? Elle est lourde. Hein. Allez, viens, ma bébelle. C'est lourd. Alors, 3,20 €. Alors, ce cidre et houblon, faiblement sucré et légèrement acidulé, est issu d'un accord entre les meilleures pommes à cidre et l'infusion de deux variétés de houblon sélectionnées pour leur complémentarité. Il en résulte un subtil équilibre entre l'amertume perceptible mais bon, hein, mais non dominante et de belles notes fruitées de cassis et pamplemousse. Ah, on remarque des fois, je sais pas. Disponible en grande et moyenne surface. Mes bébés chatons. Oh, c'est trop lourd. Voilà. Ça n'a pas fait trop bouger, c'est bon. Ensuite, alors là. Biscuiterie, la mère Poulard. Demi-étui de sablé. C'est ça, c'est ça. Du coup, c'est ça. Packaging un peu vintage, je trouve. Alors, du coup, 2 euros. Alors, le sablé avec sa forme ronde et cannelée et le succès de la biscuiterie La Mère Poulard, laissez-vous séduire par sa texture croustillante et croquante au bon goût de beurre, pardon,
Un paquet par box parmi ces trois options: sablé étui collector pur beurre, sablé éclat de chocolat et sablé pur beurre. Pur beurre, pur beurre. Ok, j'ai eu juste le pur beurre, du coup, je pense. Ou le collector, parce que il y a un packaging différent et vu que le packaging est différent par rapport aux deux autres, je pense que c'est l'édition collector que j'ai eu. Voilà. Ça reste du pur beurre. Ok, disponible en grande et moyenne surface. L'ensemble des produits La Mère Poulard est également disponible dans la boutique d'usine située à Mahan-Roque ou Roche, 35 460. Ainsi que sur le site internet de la biscuiterie. Biscuiterie Mère Poulard. Ok, ça sent. Ça, trop bon. Ça, je dis oui. Ça, je dis oui. Ensuite, il y a un produit du mois que je vais vous faire montrer. C'est lourd aussi, putain. Alors, c'est la marque Merci. C'est du jus de pomme, 1,29€. Voilà. Alors, déguster le jus de pomme, les agriculteurs vous disent merci. La marque engagée d'Intermarché, un jus 100% made in France, réalisé avec des pommes françaises HVE, apportant une meilleure rémunération aux agriculteurs partenaires de la marque pour chaque brique achetée 0,58, enfin 58 centimes et reversée aux pommiculteurs. Je savais pas que ça se disait comme ça. Pommiculteur. Pour les pommes, certainement. Je savais même pas que ça s'appelait comme ça. Ok, disponible dans les magasins Intermarché, Intermarché Contact, Intermarché Super, Intermarché Hyper. J'en peux plus, pardon. Voilà, c'est bon. Ça, vous me connaissez, hein, c'est vrai que je bois beaucoup, donc ça va être très 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 bien. Ensuite, donc c'était le produit du mois. Ça m'étonne pas que ce soit le produit du mois d'ailleurs. La marque Maille. Ça va, c'est pas de la. Oh, 1 et 3, 4. C'est pas de la. De la moutarde. C'est une sauce béarnaise. Et ça, c'est très bien. À l'oignon rose de Bretagne. Oui! Oh là là, dire que j'aurais dû être en Bretagne cette année, mais non. Voilà. Oui, je pense à toi, ma Céline, mais ainsi qu'aux autres, Bretons, hein, bien sûr. Dédicace aux Bretons. Les Bretons sont bien aimés, il me semble. Hein. Bon, non, on va pas parler de là. Non, on va pas parler du crachat. Non, pas du tout. Non, non, mais voilà. Je sais même pas d'où. Je sais même pas pourquoi ils disent ça. Enfin bref, non, je vais pas lancer un débat quand même. Du coup, c'est une sauce béarnaise. Donc la voya. La voya. La voilà. Hein? Et je crois que Maï, c'est pas donné. Hein. Hey, 2,91€. Alors, 275 ans de savoir-faire, la vache et la touche créative Maï. Réinvente avec panache les sauces traditionnelles de la gastronomie française. Sauce béarnaise, aioli ou encore bourguignonne. Oh, ça donne envie. Les sauces de variété façon maille sublimeront vos plats de viande, poisson ou légumes d'une note raffinée pour un véritable moment de plaisir. Disponible en grande et moyenne surface. C'est quoi le QR code là? Le livre de recettes. Ah, d'accord. Parce qu'ils ont un livre. Ah, oh, c'est pas. Sont sympas quand même. Voilà. Donc ça, je dis oui. Ça, je dis oui. Ensuite, la marque Amora. Donc, on avait du coup une sauce béarnaise et là, on a la mayonnaise de Dijon. Donc, c'est un peu connu, mais sauf que là, j'ai l'impression qu'il y a 5 ingrédients. Donc, attends. 5 ingrédients sélectionnés et c'est tout. 100% œufs français, ouais. Moutarde de Dijon. Enfin, de toute façon, j'aime bien la.
Oh, je vais y arriver. Merde, la mayonnaise, tout simplement. Alors, 2,65 €. Hein. Merde, je vais oublier de faire mon prix. Du coup, c'est à l'endroit, moi. Oui, Beverly. Voilà. Alors, découvrez la mayo de Dijon Amora, 5 ingrédients et c'est tout. Une recette simple et très gourmande à partager en famille avec des œufs 100% français, de l'huile de colza, de la moutarde de Dijon Amora, du vinaigre de vin blanc, une touche de sel, beaucoup d'amour et c'est tout. Disponible en grande et moyenne surface. Ça, je dis oui, la marque Amora, j'aime bien, enfin, en tout cas pour la mayonnaise. Donc, ça, voilà. Ah, pardon. Ensuite, la marque phare d'Ecumule, MDR. J'arrive pas à le dire. C'est ça, du coup. Okay. C'est un thon mariné au citron vert bio et au basilic bio. Alors, basilic, mais citron vert. Moi, je dis que le mélange du thon et du citron, c'est à tester, je trouve. Je pense que c'est à tester. Encore un produit breton! Mais alors! Il est marqué Phare d'Elcmul, Bretagne. Et bah dis donc, ma Céline. Voilà, c'est ça. Ah, oh, ça coûte la peau des fesses. 3,99 €. Il n'y a rien, bah oui. C'est pas grave. Alors, pionner les poissons. Hein? Pionner des poissons en conserve en magasin bio depuis 1999. Phare d'Ecmule. Je sais pas si ça se dit comme. Ah, si ça se dit. Oh! Si ça se prononce comme ça. Voilà. J'y arrive à parler. Implanté en Bretagne, propose un large choix de poissons issus d'une pêche responsable, démarche exigeante, contrôlée par Bureau Veritas. Ok. Ce thon blanc préparé à Douarnenez, pardon, est issu d'une pêche responsable locale en mer celtique, golfe de Gascogne, où mange en plus de sa richesse en protéines et oméga 3. Il est pratique car pas besoin d'égoutter. Ah, il est déjà égoutté, donc, je sais pas. Disponible dans les enseignes bio. Bah oui, je me dis bien. Ah bah, je sais pas, ça je dis oui aussi. Hein. Oh, j'ai bugué. Ah, il en manque un. Oh, c'est trop bon ça. Gourmandise en dis-tu, en voilà. Alors, la marque Bombest. Je connais pas. C'est des chouchous artisanales 150 grammes, 3 €. Ça fait cher le paquet quand même. Bon, après c'est fait artisanalement, mais voilà. Je trouve ça cher quand même. Donc on sait tout ce que c'est, les pralinés, hein? Bah oui. Alors, Bombès propose depuis plus de 30 ans un assortiment de confiseries élaborées à partir de recettes traditionnelles et gourmandes, un mélange de savoir-faire et de produits de qualité pour vous replonger en plein cœur de l'enfance, craqué pour les chouchous artisanaux de la gamme Tradition, de délicieuses cacahuètes caramélisées dans un véritable chaudron en cuivre. Ce format de 150 grammes pourra être emporté partout afin de régaler les papilles, des petits comme des grands, disponibles en grande et moyenne surface. Ça le dit oui, hein, qui dit non à ça? Et nous arrivons aux produits internationaux. Donc, invités internationaux. Okay. Donc, cette marque-là, on l'a déjà reçue dans la Degusta Box. J'avais pas aimé le produit d'ailleurs. Snack in for you. J'avais reçu des petits cubes de fromage, mais qui étaient hyper salés là. Là, pour le coup. Vous savez ce que c'est? C'est. Oula. Attendez. Attendez. Ah bah je suis con. En fait, c'est des chorizo mis en snack. Ça s'appelle Hermit Chorizo. Ça donne envie. Je dis ça, je dis rien.
1,99€ du coup. Marre des chips et crackers à l'apéro, goûtez les nouvelles bouchées croquantes Snack in for you, des billes de riz et amandes cuites au four avec des délicieux morceaux de chorizo ou de jambon. Ah, d'accord, espagnol à l'intérieur. Leur texture croustillante va vous surprendre et les saveurs espagnoles vont vous faire voyer gustativement un paquet par box chorizo ou jambon espagnol. Et bien, j'ai du chorizo, moi. J'ai reçu le chorizo, du coup. Donc, à tester. Et ensuite, du coup... Ah, il y avait pas... Ah si, j'allais dire, il n'y avait pas encore d'alcool, mais si. Vous remarquez un truc, il n'y a toujours pas de lait de coco, de noix de coco. Dans la bouffe spécialement, dans la bouffe, dans la nourriture spécialement, ça me dérange pas d'en pas recevoir parce que voilà, c'est franchement c'est pas top. Ça dépend ce que c'est, mais c'est pas top. C'est la marque Corona, donc oui, c'est une bière, donc elle est connue celle-là en plus. Hein. Donc Corona Sunset. Alors c'est 9,99€ le pack de 6 bouteilles, ça fait 1€ et quelques. Oui, 1€ et quelques la bouteille, 1,60€, un truc comme ça, je pense. Oui, ça va être ça, un truc comme ça. Ah bah c'est oui, c'est bien mexicain. Pardon, j'ai pas fait mon trait. Donc voilà, dédicace à... dédicace à Beauty Gold, hein, donc Oriane. Parce qu'en fait, pour montrer ces vidéos, ça tu vois pas. Enfin, tu vois pas le haut, mais bon, voilà. J'ai pensé à elle, du coup. Allez, soyons sérieuses. Alors, Corona Sunset, brassé avec 100% d'ingrédients. Non, Beverly, non. Non, je sais que t'es partie en vacances, mais non. D-O-N. Voilà, vous savez ce que c'est, normalement. Et la fusion de 4 éléments de la bière blonde, du spiritueux mexicain, du jus de citron vert et du sucre de canne. Une nouvelle expérience ultra rafraîchissante, idéale pour une consommation à l'extérieur. Toujours couronnée d'une tranche de citron vert. Ah, il est marqué gaz carbonique ajouté après brassage. Je ne sais plus pourquoi ils ont dit ça. C'est pas grave. Disponible en grande et moyenne surface. Au rayon des bières aromatisées et sur carrefour.fr. Ok. Alors, je vois mieux devant moi déjà. Alors le total, le total ou toto, ouais, bref, de tout ça, hein, c'est 26,92€. Donc, elle est rentabilisée. Je compte pas la livraison, hein, bien sûr. C'est 15. C'est quoi déjà? 15,99, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est un truc comme ça. 15,90, peu importe. Donc, elle est rentable, hein, faut le dire. Quand même, faut le dire. Hop! Donc, voici. Hop! Et on a. On a du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12. 12 produits, du coup, pour ce mois-ci. Ensuite, on va passer à ce que, en théorie, hein, ce que je vais le plus aimer et le moins aimer. Ben, je pense que je vais plus aimer. C'est ça. Hein, je pense. Hein, le moins aimé. Le moins aimé, là, c'est compliqué. Hein. Je dirais la bière, parce que la bière, c'est pas forcément mon dada. Je dirais la bière Corona, mais parce que c'est pas forcément mon dada. Après, à voir si les chips sont bonnes ou pas. On sait jamais. Et le reste, normalement, tout est bon. Donc, voilà. Pour moi, ça va être ça, la bière. Voilà. Voilà. Alors, dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Hein, bien sûr. Ensuite, bah, je vais devoir vous lancer parce que j'ai un autre unboxing. Hein, celle de la box bretonne. Eh oui! Bah oui, la box bretonne, donc ma Winbox. Et demain, je passerai à d'autres vidéos parce que là, il est quelle heure? Ah, ça va.
j'ai le temps de faire la bourse bretonne. Enfin, là, j'ai une autre installation à faire, par contre. Ouais. Du coup, ça me pique. Donc, si ça vous a plu, un petit j'aime, un petit commentaire et un abonnement si le cœur vous... Ah ! Si le cœur vous en dit, j'ai bugué. Voilà. Ensuite, moi, je vous embrasse et je vous aime, vous le savez très bien. Et on se retrouve plus tard. Des bisous. Et merci.